Hey, salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Ici c'est Miss et je suis tellement heureuse de vous retrouver les amis sur Avatar World. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai enfin décoré ma maison, ma nouvelle maison sur Avatar World. Avant de continuer, j'espère que vous avez regardé le journal de 20h. Vous l'avez toujours pas vu? Pas de problème, allez regarder et on se retrouve juste après pour un house tour sur Avatar World. Voici donc le dernier commentaire de la chaîne de Miss Queen qui s'affiche juste devant votre écran et les deux personnes à être abonnées à la chaîne s'affichent ici. Voilà. Si toi aussi tu veux faire partie du journal de Miss Queen, n'oublie pas de t'abonner et de liker cette vidéo. Allez, on passe pour la vidéo du jour. Ok les amis, me revoilà. Alors, on commence par quoi ? On va commencer tout d'abord par la cuisine. Ou non ? Par la porte d'entrée. Voilà. Lorsqu'on rentre, nous sommes ici. Alors pour l'instant, j'ai rien posé. Normalement, il devrait y avoir des chaussures et d'autres accessoires. Bon, vous verrez. Quand on n'a pas encore fini, il faut aussi accrocher les clés de ce côté-là et mettre des chaussures, un peu de déco. Voilà. En tout cas, c'est juste une petite entrée simple dans le thème esthétique. Ensuite, de ce côté-là, nous aurons la cuisine. Je pense que je vais accrocher un tableau ici. Mais de ce côté-là, vous avez la cuisine, toujours dans le thème esthétique. Dites-moi si j'ai réussi à faire une bonne cuisine. Regardez, j'adore les chaises. Il en manque deux encore, celle des jumeaux. Mais voilà, en tout cas, il y a Rose et Mia. Rose s'assoit ici, Mia s'assoit ici. Moi et le papa, on s'assoit ici. Et voici la cuisine. Lorsque vous vous rapprochez ici, pour l'instant, j'ai pas trouvé d'idée. Qu'est-ce que je vais poser ici? Si vous avez une idée, dites-moi en commentaire, les amis. Je serais très heureuse de lire vos commentaires, bien entendu. Alors ici, vous avez une... c'est même pas une salle de bain. C'est juste pour se laver les mains avant de passer à table. Voilà, lorsque nous sommes dans le jardin ou au salon. En parlant du salon, le voici. Voilà donc le salon avec les canapés, une télé... Hop, salon vraiment très simple. Je pense que je devrais ajouter un autre canapé si il manque de place. Parce que vous le savez peut-être pas, mais nous sommes maintenant une famille nombreuse. Ils sont tous à l'étage. Je vais vous montrer après la famille Miss Licious. En tout cas, voilà. Je crois que c'est pas mal. J'ai fait tout ça toute seule, donc dites-moi si j'ai bien fait. Et de ce côté-là, vous avez un endroit pour s'asseoir. Je vais placer d'autres choses de ce côté-là pour les jumeaux et jumelles. Ensuite, de ce côté-là, nous avons un autre endroit pour la véranda. Tu t'assois ici. Ici aussi, je dois ajouter quelques décos du jardin. Mais voilà ce que ça donne. Et de ce côté-là, voici le jardin. Wouh ! Regardez-moi ça. Dites-moi si je l'ai bien décoré. Ici, vous avez un endroit pour faire le barbecue avec la famille. Hop. Et de ce côté-là, on peut s'asseoir, se reposer. Et on peut regarder les enfants en train de jouer au sable. Et ici, vous avez un endroit pour arroser. Les plantes. J'ai fait pousser une plante, voilà, pour les personnes qui ont raté mon épisode dernier. J'ai fait pousser vraiment une plante. Là, c'est par contre, c'est fini. Hein. Je l'ai enlevé. Enfin, voilà donc un petit coin pour le potager. Et de ce côté-là, vous avez deux fauteuils pour se reposer. Voilà. Mais en tout cas, je suis très heureuse de mon jardin. C'est comme celui que je voulais dans mes rêves. C'est plutôt cool. Voilà donc pour cet étage-là, voilà. Maintenant, vous savez quoi? On va aller voir la famille, les jumelles et les jumeaux. Alors, on arrive ici, j'ai une GoPro, parce que vous savez peut-être pas, mais je suis youtubeuse. Même sur Avatar World, je suis youtubeuse, je vais poser ça ici. J'ai mon coffre-fort avec ma carte bleue. Bon, ça c'est un secret entre vous et moi. Ici, j'ai mon téléphone, je le pose ici. Je l'utilise pas trop, mais à chaque fois je le perds. Donc je le pose ici au moins, loin des enfants. Et lorsque je vais descendre, bah, il est juste à côté de moi. Alors ici, j'ai une valise, je sais pas, j'ai pas encore trouvé d'endroit où la poser. Et ici, j'ai un aspirateur qui fait le nettoyage tout seul. Ouais, je le laisse bouger vraiment tout seul parce que je suis très occupée en tant que maman et youtubeuse. Alors de ce côté-là, vous avez la salle de bain. Hop, je vous montre quand même toute la salle de bain. Voilà, ici à l'intérieur, oh, j'ai mon maquillage. Et ici, j'ai mon peignoir. J'arrive pas à l'accrocher, je sais pas. Peut-être c'est pour les serviettes de ce côté-là. Oui,
Ça, c'est pour les serviettes. Et mon peignoir, je peux le poser ici. Voilà. Il y a la brosse à dents de toute la famille. Enfin, toutes les brosses à dents. Donc, vous vous rendez compte, il y en a 4. Les bébés sont encore des bébés, les jumeaux. Donc, ils se brossent pas encore les dents. Attendez, mais j'ai quoi derrière? Oh, on dirait j'ai quelque chose derrière. Oh oh! C'est quoi ça? J'en suis sûre, c'est encore les jumelles. Oui, c'est bien le travail des jumelles. Hop, ok, on va la poser ici. Voilà donc pour le produit nettoyant. Tout se trouve ici. Ici, vous avez la peignoire et le paradouche. Voilà pour la salle de bain. Ensuite, on vient de ce côté-là. Nous avons ma chambre. Enfin, ma chambre avec celle de Manny. La chambre du couple, voilà la chambre parentale, et ici il y a des vêtements, je dois encore ranger parce que c'est un petit peu le désordre. Voilà, ma montre qui m'aide beaucoup et je gagne pas mal de temps avec l'heure à ma portée. Ici vous avez une radio, ah là je suis en train de dormir, c'est pas trop le moment même si j'ai vraiment envie de faire une grande sieste. Ici j'ai mon bureau, c'est ici que je fais mon travail, où je publie et je joue au gaming avec vous les amis. Si ce n'est toujours pas fait, abonne-toi, il y aura d'autres vidéos bien plus intéressantes et qui vont te plaire. Et aussi prochainement, peut-être des lives. Je sais que vous attendez des lives depuis longtemps, mais j'ai un problème avec ma connexion, donc c'est pour ça que je fais pas trop de lives. Alors ensuite, ah, je vous ai pas montré mon miroir. Voilà, j'adore me regarder le matin parce que nous sommes des queens et des kings. Donc c'est important de se voir le matin, de se parler. Ça nous motive à démarrer notre journée. Ok, une fois que vous avez vu ma chambre, elle est vraiment très simple, hein. J'espère qu'elle est vraiment dans le thème esthétique. Maintenant, on va découvrir la chambre de... Oh, nous avons Rose. Rose qui est en train de écouter de la musique. Elle adore faire ça. Et voici donc sa chambre. Enfin, elle le partage bien entendu. Attendez, regardez. Ah, pour une fois, elle a bien rangé. Elle savait que maman allait filmer une house tour. Ici, vous avez sa chambre. Elle a pas mal de choses. Et de ce côté-là, oh, nous avons Mia. Oh, la cute Mia qui est en train de lire. Waouh, voici donc la chambre, le côté de Mia. Dites-moi en commentaire, quel est votre côté préféré? Celui de Rose ou celui de Mia? Moi, franchement, j'adore les deux. C'est vraiment très bien pour les deux jumelles. Alors ensuite, on les dérange pas trop, nous avons ici la chambre des bébés et regardez ce qui se passe. Ouh, nous avons le papa qui s'occupe en fait des bébés. Oh, le pauvre. Alors j'ai deux jumeaux, l'autre il est en train de dormir. Désolée de te réveiller. Voilà donc les jumeaux. À votre avis, on devrait les appeler comment ces jumeaux? Parce que vous savez quoi, on n'a toujours pas encore décidé des prénoms. Donc dites-moi en commentaire comment on devrait appeler ce jumeau-là et celui-là. Celui-là, il a un petit peu plus de cheveux que celui-là, mais voici les jumeaux. Dites-moi en commentaire comment on devrait les appeler. Alors voici sinon la chambre des jumeaux. Ce sont des bébés, donc voilà, il y a quoi à l'intérieur? Non, rien du tout. Voilà, ici vous avez la déco, les veilleuses, et ici c'est pour changer la couche. Oh, 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 qu'est-ce qui se passe? Attends, je crois que je dois changer sa couche. Allez, viens ici, bébé numéro 1, alors dites-moi, celui qui n'a pas beaucoup de cheveux, on devrait l'appeler comment? Et celui qui a un peu plus de cheveux, on devrait l'appeler comment? Dites-moi tout très vite. Oh, oh. Je devrais changer sa couche. Yay! Ok, c'est bon. Il s'est calmé. On va te reposer ici. Alors, de ce côté-là, pour finir, vous avez un petit endroit pour faire le bain des jumeaux. Voilà. Je ne sais pas encore quoi mettre d'autre dans cette pièce. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Il faut aussi que j'achète une autre poussette et un autre lit. Parce que là, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de place pour deux bébés. Enfin, on est encore en train de terminer, de rénover cette maison. Mais je crois que c'est pas mal pour l'instant. On est très fiers de notre nouvelle maison. Oups, de notre nouvelle maison en famille. Voilà donc, je vous ai montré ma famille, ma grande famille, mais maintenant je peux même pas dire ma petite famille, et le house tour. Dites-moi en commentaire, vous le trouvez comment? Venez tous ici les amis, dites-moi en commentaire comment vous trouvez tout ça.
Et nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, venez tous, je veux faire une photo de famille. Et voilà les amis, vous avez vu ma famille sur Avatar World. Si vous voulez des morning routines, night routines et des roleplay avec ma famille, dites-moi en commentaire. Je vous embrasse tous très fort et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!